je suis ravie de vous retrouver et en cette veille de rentrée, vous avez peut-être envie de perdre du poids. Mais attention, sans régime contraignant, sans effet yo-yo et surtout sans frustration. Alors pourquoi ne pas essayer le rééquilibrage alimentaire? Ici, le but est de retrouver une hygiène de vie, de manger sainement et équilibré tout en connaissant les bases de l'alimentation et surtout sans contrainte ni frustration. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils pour réussir ce rééquilibrage alimentaire. Premièrement, il faut se tourner vers les bons aliments. Généralement, quand on pense rééquilibrage alimentaire, on se dit que l'on va manger des légumes cuits à la vapeur, sans matière grasse ni féculents tous les jours. Or, c'est faux. Néanmoins, il faut bien connaître les aliments que nous consommons pour bien s'orienter et donc s'alimenter de la façon la plus adéquate. Notez donc que les aliments sont répertoriés en 7 groupes. Vous avez tout d'abord les produits laitiers comme le lait, les yaourts, le fromage blanc, les fromages. On exclut par contre le beurre et la crème. Ces produits sont riches en protéines, en lipides, en calcium et en vitamines A, B et D. Ils permettent, ces produits, le renouvellement de nos tissus et également sont indispensables à la croissance et à l'entretien de nos dents et nos os. Ensuite, vous avez la viande, enfin les viandes, les poissons et les œufs, qui sont également riches en protéines et en lipides, mais aussi en fer pour la viande rouge, en iode pour les poissons et les crustacés. Donc ici, attention si vous souffrez de problèmes de thyroïde. Ces produits également contiennent de la vitamine A, notamment les poissons gras, et de la vitamine B. Alors à quoi servent-ils? Ben, tout simplement, ils sont essentiels au développement de notre masse musculaire et favorise également la perte de poids en soutenant le système immunitaire, le système hormonal et surtout le métabolisme, car je vous le rappelle, plus on a de muscles, plus on brûle des calories. Troisième groupe, les produits céréaliers et les féculents avec les pâtes, le riz, les légumes secs, le pain ou encore la pomme de terre. Ces produits contiennent des glucides complexes, des fibres et de la vitamine B. Et donc grâce à ces glucides complexes, ces produits vont vous apporter de l'énergie qui sera libérée progressivement tout au long de la journée. Vous avez ensuite bien sûr le groupe des fruits et des légumes qui contiennent des glucides, généralement à faible indice glycémique. Ils contiennent des fibres et beaucoup de vitamines et de minéraux. Et donc les fruits et légumes vont réguler votre transit intestinal, vont réguler votre glycémie. Grâce à leur action antioxydante, ils vont ralentir le vieillissement cellulaire. Ensuite, vous avez le groupe des matières grasses avec le beurre, la margarine, les huiles et ici les crèmes, la crème fraîche, la crème liquide, la crème chantilly, etc. Alors ici, il faut choisir bien évidemment les bonnes graisses, oméga 3, oméga 6, oméga 9, car ils sont indispensables au bon fonctionnement du système nerveux, de la vision, et paradoxalement, ils aident à brûler les graisses. Ensuite, vous avez le groupe des produits sucrés. Alors ici, ces produits ne contiennent que des glucides, pour certains des lipides. Ils n'apportent rien à l'organisme, si ce n'est qu'ils font du bien au moral. Et enfin, vous avez le groupe des boissons où seule l'eau est indispensable pour l'hydratation, pour le transit intestinal et pour l'équilibre de notre pH, enfin du pH de notre organisme. Et donc, au vu de ces différents groupes, et donc pour réussir son rééquilibrage alimentaire, misez sur les protéines. Cela va maintenir votre métabolisme, cela va le booster, cela va également renouveler vos tissus. Misez également sur les fibres car ils vont augmenter le volume de votre bol alimentaire et donc augmenter votre satiété. Misez également sur les bonnes graisses, cela vous permettra de rester mince. Maintenant, concernant
les sucres, faites bien la différence entre sucre simple et glucides complexes, car seuls les glucides complexes favorisent la perte de poids. Alors maintenant que vous savez ce que vous devez consommer, ce que vous devez limiter, comment organiser sa journée? Tout d'abord, pour réussir son rééquilibrage alimentaire et donc perdre du poids, évitez de sauter l'un des trois repas principaux. Prenez bien votre petit déjeuner, votre déjeuner et votre dîner. Évidemment, évitez de grignoter entre les deux. Par contre, selon vos besoins, selon votre emploi du temps, vous pouvez intégrer à vos apports journaliers une à deux collations qui seront composées de fruits secs ou encore de laitage. Ensuite, chaque jour, trouvez dans votre assiette pour moitié des légumes et sur l'autre moitié pour un quart des féculents et l'autre quart des protéines. Et surtout, mettez bien en pratique les règles du Plan National Nutrition Santé, à savoir manger 5 fruits et légumes par jour, 3 produits laitiers par jour, ayez toujours des féculents à chaque repas, bien évidemment selon votre appétit, et prévoyez une à deux portions de protéines. Limitez le sel, le sucre, le gras ajouté et buvez à volonté. Et toujours pour réussir votre rééquilibrage alimentaire, mais ici pour qu'il dure dans le temps, pour qu'il n'y ait pas de frustration, continuez occasionnellement à vous faire de petits plaisirs. Cela va permettre à votre corps de ne pas se mettre en mode famine et toujours booster votre métabolisme. Enfin, faites bien la différence entre la faim et l'envie. Est-ce que j'ai faim, mon ventre gargouille, se serre, mes joues commencent à creuser? Ou est-ce que j'ai juste envie de ce petit morceau de fromage ou ce petit morceau de chocolat parce que je m'ennuie ou pour calmer une angoisse du stress? Faites bien également la différence entre être rassasié et la satiété. Être rassasié à la fin du repas, vous n'avez plus faim, vous sentez que vous êtes rassasié. La satiété, c'est au cours de la journée, vous avez compris que vous remarquez que votre plat du midi a été conséquent parce que vous arrivez à tenir jusqu'au soir. Donc, soyez très attentifs à ces différentes sensations. Bien évidemment, à côté de ce rééquilibrage alimentaire, il est important de continuer ou de faire une activité physique et sportive. Plus vous allez bouger, plus vous éliminerez et donc vous obtiendrez facilement de meilleurs résultats. Alors, la première chose à faire, c'est de changer ses habitudes quotidiennes pour lutter contre la sédentarité en troquant la voiture par le vélo, en troquant l'ascenseur par les escaliers ou encore en troquant le sofa par des exercices d'abdominaux devant la télé. Alors maintenant, si vous n'êtes pas très sportif, commencez tout simplement par de la marche rapide. C'est un excellent moyen pour sculpter votre corps. Alors ensuite, il va falloir faire régulièrement du sport, plusieurs fois par semaine, et choisissez l'activité qui vous convient, l'activité que vous aimez. N'allez pas courir parce que c'est la mode, parce que tout le monde fait ça, mais vous détestez courir. Donc choisissez bien l'activité que vous aimez, qui vous donne des résultats. Avec le sport, cela va vous aider à perdre du poids, mais cela va surtout affiner et sculpter votre silhouette et donc on garde la motivation. Attention toutefois, parce que avec les balances classiques, il faut savoir que quand vous commencez votre rééquilibrage alimentaire avec le sport, vous allez perdre de la masse grasse et augmenter votre masse musculaire. Or, les muscles pèsent plus lourd que la graisse. Donc sur la balance, le résultat s'annule. Mais soyez patient et commencez tout simplement en essayant vos habits puisque votre silhouette se sera affinée. Mais soyez patient si vous avez une balance classique pour voir les kilos disparaître. Et donc, avec ce rééquilibrage alimentaire
combinée à une activité physique et sportive, vous ne mettez pas votre santé en péril. Vous allez vous réconcilier avec l'alimentation, vous allez perdre du poids, mais surtout vous allez garder ce poids de forme pendant très longtemps sans être frustré. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous embrasse et à très bientôt.